Yo tout le monde, c'est Solution Trophée. On se retrouve aujourd'hui sur Dragon Quest Builders. Donc, la dernière fois, on avait fait un combat, on avait fini la vidéo sur un combat de boss. Et, si t'as vu la fin de l'épisode, tout était complètement... Tout était cassé, hein. Voilà. Et donc, du coup, j'ai fait du hors caméra, maintenant, tout est réparé, oui. Donc, ça m'a pris 5-6 minutes, ça va pas pris très longtemps, voilà. Tout réparé maintenant, vous voyez. Tout est comme neuf. Maintenant, on va reprendre les activités, tout simplement. On va reprendre ce qu'on faisait avant. Alors, mince, Maxence. Je n'ai pas parlé à Maxence parce qu'en fait, il veut que je l'emmène. Il veut que je l'emmène. En fait, ce que je voulais faire, c'est simplement fabriquer du steak. Voilà. Enfin, je voulais fabriquer un steak de cactus. Je m'en fais toujours 5. Parce que comme ça m'en fait un petit peu, on va dire. Encore un. Voilà. C'est bon. Alors maintenant on va parler à la nouvelle personne qui est arrivée dans notre qui est arrivée. J'ai travaillé péniblement des étendues, enseigné, traversé l'océan à la nage, escaladé des montagnes. Tout cela pour atteindre la colonne de lumière, et après avoir réussi à remonter jusqu'à sa source, je n'y trouve qu'une bande d'hommes musclés et cagoulés. Bonté divine, j'ai dû être trompé et attiré dans un antre de dépravation. Une seconde semble un peu différent des autres. Dis-moi, jeune homme, quel est ce lieu et qui es-tu? Un repère d'où puis-je poster contre les monstres? Quelle merveilleuse idée! Je me prénomme Aliad. Il fut un temps où les étendues glaciers de Galilholm constituait non mon foyer, mais désormais mon foyer se trouve ici avec toi, Gaëtan. Je suis sûr que nous passerons ensemble de nombreuses heures heureuses, hein. Des heures heureuses, d'accord. Maintenant on va parler à comment elle s'appelle, Barbarine. Merci de nous avoir aidé à combattre ces monstres, Gaëtan. Je te dois une fière chandelle. Hein? Tu veux savoir pourquoi les monstres essaient de mettre les mains sur moi? C'est pas compliqué, ils veulent juste que je leur révèle toutes les informations de Galilienne. Ah ah, d'accord. Ils veulent s'emparer de ces armes secrètes et les améliorer pour qu'elles soient encore plus puissantes. Il n'y a qu'une manière de les arrêter. Il faut qu'on se débrouille pour construire ces armes secrètes nous-mêmes et qu'on s'en sert contre eux avant qu'ils s'en servent contre nous. Pour commencer, il faut qu'on fabrique une arme pour descendre les monstres. On peut même pas toucher, comme une sorte de missile magique qui éteindrait ses brûle-flammes. Gaëtan, t'as déjà essayé de ce nouveau téléportail, hein? Si je dis pas de bêtises, il te permet d'aller à Galilholm, là où c'est l'hiver toute l'année. Ah ouais. À mon avis, c'est le meilleur endroit pour trouver de bons blocs de glace, non? Avec de la glace, on pourrait construire Nord.
à brûle-flamme brevetée de Galien. Alors le mot, j'arrive pas du tout à le dire. Hein. Je sais pas pourquoi. Allez, Gaëtan. Va à Galilholm et rapporte-nous 10 bons gros blocs. Alors si jamais vous arrivez à le dire, parce que moi personnellement là, je sais pas ce que c'est que ce mot, mais bon. On va parler à toutes les personnes avant, parce que peut-être qu'elle va me poser, peut-être qu'elle va me dire d'aller dans le téléportail, je sais pas. Oh là là là, oh là là là, oh là 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 là. Je sais pas ce qu'il veut dire. Ah Gaëtan, tu ne pouvais pas tomber mieux. Ma future femme, une jeune demoiselle, du nom d'Elodie, se trouve à Galilholm. Ah, nous avons pris la route ensemble pour découvrir l'origine de cette source de lumière, mais une tempête de neige nous a séparés. Je souhaiterais t'en retrouver, mon amour, mais je crains que ce ne soit impossible. Ça, ce repère de rustres qui font étrangler de leurs muscles ne conviennent pas à une fragile jeune fille en pleurs. Comment, selon toi, Elodie préférerait vivre avec une troupe de culturistes plutôt que de mourir seul dans la neige? Je n'avais pas vu les choses sous cet angle. Très bien, ma décision est prise. Je t'en prie, Gaëtan, pars pour Galilholm et retrouve ma future femme. Oh, et pourquoi n'emmènerais-tu pas quelqu'une de ces armoires à classe avec toi? Je suis sûr qu'elles seront utiles. D'accord, bon bah effectivement, on a 2 points à finir pour y aller là-bas. Alors après, à ce qui paraît, j'ai vu un téléportail. Hein. Ouais, effectivement, j'avais vraiment un... Ouais, j'avais un téléportail, mais quand... Le problème, c'est que quand j'ai battu les monstres, mon sac, il devait être full, je pense. Voilà, maintenant on a fabriqué la deuxième salle. C'est bien, on est content, on est content. Alors, je vais essayer de me... Ouais, parce qu'il s'agit que vu qu'on va récupérer les nouveaux minerais... Attendez, je vais essayer de récupérer les potes, hein, les photos avec moi pour pas me faire déglinguer parce qu'il s'agit que je... Comment ça s'appelle? Pour sauver la personne là, il faut vraiment que... Faut qu'on a pris lui. On va prendre Aldo maintenant. Alors il n'y a pas besoin de les parler hein, parce qu'ils disent tout le temps la même phrase. Hein. Allez, venez. Comme ça, je suis pas seul parce qu'il s'agit que les monstres qui sont dans cette dimension... mais vraiment beaucoup plus dur et résistant que ceux qu'on avait déjà eu en fait hein. On va poser ça comme ça on va pas se perdre hein, si jamais on veut revenir. Voilà, regardez comme ça, voilà, je vais vous montrer un petit peu en mode comme ça. Voilà, est-ce que c'est pas magnifique ça? Alors il y a un truc caché là, alors j'ai jamais vu qu'il y avait un truc là. Attendez, on va partir là parce qu'il y a un truc qui est un petit peu chelou, je l'ai jamais vu. Voilà, vous voyez ces ennemis là, ils sont très alors très relou hein. Alors ça, je sais pas si on peut le casser, l'espèce de bloc vert là, le minerai. Ah, il y a carrément un golem là. C'est un easter egg ou pas? Ah, ça doit être un easter egg, hein, parce que vous avez vu, on peut le parler. Alors ça, j'ai jamais vu ce truc hein. Géant, fort géant, tout cassé hein. Prends ça et puis ça et ça. Ah d'accord, en gros en fait c'est un easter egg je pense, parce qu'il ne dit rien de spécial.
Ah ouais, ouais c'est bizarre, ouais, franchement bizarre. Pourquoi pas? Mais je l'ai jamais vu en vrai ces Easter eggs là. C'est marrant, en vrai c'est marrant. Ah, on peut faire un lit double maintenant. On peut faire un tapis de Yeti Yeti. C'est marrant, ouais. Par contre, il fait trembler absolument, mais absolument toute la zone. Hein. Je pensais qu'on allait pouvoir lui parler, je sais pas. Mais... ça aurait été tellement bien quand il y avait vraiment un easter egg avec ce personnage. Hein. Mmh. C'est pas énormément grave. Alors lui il faut les tuer eux. Parce qu'honnêtement ils donnent des trucs qu'il nous faut plus tard dans le jeu. Il va me falloir des ingrédients et c'est eux qui vont les avoir. Alors là on va récupérer des petites fleurs là. Encore un. On va se les faire parce qu'il s'agit qu'il me donne des trucs qui sont intéressants. Ou plus tard justement. Voilà. Après on aura des meilleures armes pour aller battre beaucoup plus facilement. Alors eux qu'est-ce qu'ils donnent eux? Ah ils me donnent des bouteilles de verre, je sais pas quoi. On va pas aller là. Ah, il y a ça par contre. Je sais que ça fait intéressant en tout cas. Alors je sais aussi qu'il y a un ennemi qui donne du fromage. Un ennemi qui donne du fromage, hein. Franchement c'est... pour l'instant je sais pas où il est, mais je sais qu'il y a un ennemi qui donne du fromage. Hein. C'est un ennemi qui est tout gros, tout jaune. Hein. Un ennemi qui est tout jaune et il donne du fromage, donc pour l'instant il n'y en a pas. Donc ça c'est le... Alors je pense qu'on est arrivé sur les lieux... hein. On est arrivé sur les lieux. On va récupérer encore deux trucs comme ça. Voilà. Alors. T'approches pas, c'est trop dangereux. Voilà. Alors moi, je vais pas faire le combat. Je vais pas risquer de mourir parce que j'ai vu que... ils sont très très résistants. Hein. C'est plus... Oui, ils font très mal, hein.
pas trop s'éloigner de la zone, parce que si on s'éloigne trop, au bout d'un moment, en fait, on se revient. Oh, il me restait un point de vie, c'est chaud là. On l'a descendu hein. Alors la dernière fois que j'ai essayé de le battre lui, j'ai suivant 2-3 fois je crois. Mais bon, on a réussi. On peut le parler? Oui. T'approche pas, c'est trop dangereux hein. Bah non, activant, on n'a pas réussi à le battre au dernier parce qu'elle dit tout le temps la même phrase. Alors il est où le dernier? Ah mais il est là-bas en fait. Alors faut qu'il vienne là parce que le problème c'est que sinon on va douiller, on est vraiment douillé. Moi je tape par derrière. Hein. Oh il est tu. Ah là ça fait la petite musique, on a gagné. C'est bon. Ah merci beaucoup, merci, tu m'as sauvé la vie. Mon ami Eliade et moi avions pris la route il y a plusieurs jours pour essayer de trouver l'origine de la colonne de lumière qu'on a vue à l'horizon. Une tempête de neige nous a séparés et quand le blizzard est tombé, il avait disparu. Tu connais Eliade, hein? Il t'a envoyé à la recherche de sa future femme. Je suis désolé, mais tu dois faire erreur. Eliade et moi sommes de vieux amis en tant que. En tout cas, je te remercie de ton aide. Au fait, je m'appelle Elodie. J'ai hâte de voir ta base. Allez, on est parti. En espérant trouver... ce fameux ennemi que je veux trouver, mais bon. Qui est orange, j'arrive pas à trouver. C'est bizarre quand même. Parce que d'habitude il y en a tout le temps et bah là pour le coup il n'y en a pas. Ouais, on est tout ça. Bon, on y va. On est tous là, ouais, c'est bon. Quand ils sont pas en mode combat, on les ramène tous. Hein. C'est bon. Oui, on les a tous sauvés. Bravo, bravo, bravo. Voilà. Alors, on va parler avec eux. Là, tout simplement demain. On va parler avec eux demain et puis voilà, on va voir ce qu'on va faire et voilà. Allez, on se retrouve demain les abonnés pour tout simplement pour un nouvel épisode et puis voilà. Allez,
C'était Sophie un trophée. À demain.